Salutations à tous. Je suis Arsène Francois Nganga, citoyen de la République du Congo-Brazzaville, résident à Atlanta, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis d'Amérique. Je suis historien de formation, spécialiste de la présence ancienne des Africains sur le continent américain et dans la Caraïbe. Et j'ai l'honneur de pouvoir faire un bref exposé sur les relations qui existent entre Bob Marley et sa musique, le reggae, ainsi que le mouvement qui a généré cette musique, qui est le mouvement Rastafari, et leurs relations avec la région de l'ancien royaume du Congo, qui est aujourd'hui partagée par la République du Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la République du Gabon et l'Angola. Et ceci, c'est à la suite de la requête de l'Institut français du Congo, par le biais de sa directrice, Madame Marie Odigé, qui vont commémorer cette année 2021, les 40 ans de la disparition de Bob Marley, qui est décédé le 11 mai 1981 à l'hôpital universitaire de Miami. En effet, le mouvement Rastafari et sa musique, le reggae, a débuté avec des paysans jamaïcains de Sligoville, qui se trouve à l'est de la Jamaïque. Et il s'avère que ces paysans étaient des descendants des anciens esclaves qui venaient du royaume Congo. Et l'ethnicité de l'est de la Jamaïque, d'où a commencé le mouvement Rastafari, nous a été donné par l'historienne jamaïcaine Jan Stewart, qui enseigne à l'Emory University d'Atlanta, précisément au département d'histoire des religions. Et c'est dans son livre, publié en 2005, qui portait sur la dimension africaine de la religion en Jamaïque, qu'elle a eu à déclarer que l'Est de la Jamaïque était peuplé majoritairement de descendants des Bakongo. Et elle a cité les zones de Portland, Saint-Mary, Saint-Thomas, Sainte-Catherine et même une partie de la capitale Kingston. Et l'historienne américaine, le professeur émérite Monica Schuller, lors d'un séminaire à l'université de York en 2020, ainsi que dans son livre qu'elle a publié en 1980 qui s'intitulait Alas, Alas, Alas Congo, Histoire sociale de l'immigration des Africains en Jamaïque au 19e siècle. Dans ce livre, le professeur émérite Monica Schuller déclarait: Les Bakongo ont constitué le nucléon du mouvement Rastafari qui a émergé à l'est de la Jamaïque et Haïlé Selassie était appelé King Nzambi. Et le mouvement Rastafari naît donc dans les années 1930, après les années, le mouvement Rastafari a commencé après 1930. Et ce mouvement fait suite au couronnement d'Haïlé Selassie. Haïlé Selassie a été couronné en novembre 1930 comme empereur d'Éthiopie. Et pour les paysans jamaïcains, le couronnement d'Haïlé Selassie était la matérialisation d'une prophétie de Marcus Garvey. Et Marcus Garvey n'avait fait en fait que reprendre une prophétie d'un pasteur américain du Tennessee qui, en 1926, déclarait qu'il y aura le couronnement d'un roi ou d'un leader en Afrique et c'est ce leader-là qui va libérer la race noire. Donc les Jamaïcains, l'histoire de la Jamaïque est après l'abolition de l'esclavage, la Jamaïque était un terreau de pauvreté et il y avait la ségrégation raciale, les Noirs croupissaient. Coupé dans l'inégalité. Donc pour eux, le couronnement d'Haïlé Selassie était la matérialisation de la prophétie de Marcus Garvey. Mais chose bizarre, avant que le pasteur américain James, qui s'appelait James Maurice Webb, ne fasse cette prophétie, en 1921, au Congo belge, il y a eu Simon Kimbangu qui avait aussi prophétisé qu'il y aura un roi noir qui viendra libérer le continent africain. Et c'est dans son célèbre serment de Mbanza-Nsanda que Simon Kimbangu fait cette prophétie-là. Mais malheureusement, en tant qu'historien,
Je ne peux pas déclarer que ces rastas-là s'étaient inspirés de. A été éclairé par la prophétie de Simon Kimango, parce qu'il n'y a aucun document, il n'y a aucun témoignage d'un rasta qui peut être lié à Simon Kimango. Voilà pourquoi, par la méthodologie des sciences historiques, je lierai donc le mouvement Rastafari avec la prophétie de James, du pasteur James Maurice Webb, qui a été repris par Marcus Garvey. Donc, après donc, le couronnement d'Haïlé Sélassié, Léonard Percival Howell va, à partir des années 1934, va commencer à faire des prédications à l'est de la Jamaïque. Et il va rassembler 4500 paysans jamaïcains. Il va acheter un terrain de 500 hectares. Il va créer le Pinacle. Le Pinacle était une communauté des descendants des esclaves Bakongo à l'est de la Jamaïque. D'ailleurs, le musicologue américain Nathaniel Samuel Murrell, qui enseigne à l'Université de la Caroline du Nord, a bien, dans son ouvrage qui s'intitule « Chanting Down Babylon » de Rastafari Reader, dans ce livre, il dit que Léonard Percival Howell, qui est considéré comme le premier rasta, était un pratiquant du Kumina et il avait rassemblé des pratiquants du Kumina. Or, le Kumina, c'est la religion des descendants des Congos de la Jamaïque. Et il y a plusieurs ouvrages qui ont été publiés sur le Kumina comme étant une tradition Bakongo. Et ces ouvrages sont des ouvrages des anthropologues américains comme Zora Neale Hurston et Kenneth Bilby, et l'anthropologue anglaise Madeleine Kerr. Même le folkloriste américain Anand Prahlad, dans son livre qui est intitulé Reggae Wisdom, dit aussi que ce sont les pratiquants du Kumina qui ont commencé, qui ont généré le mouvement Rastafari. Donc, en créant cette communauté, le Pinacle, Léonard Percival Howell va, avec ses adeptes, ils vont façonner, ils vont formater ce qu'est le Rasta. C'est au Pinacle qu'on va concevoir le drapeau du mouvement Rastafari, qui n'était en fait que le drapeau de l'Éthiopie. Et ils vont élaborer la devise, ils vont élaborer toute la philosophie Rasta. Et la culture du cannabis va commencer aussi au Pinacle. Et le cannabis sera utilisé pendant des cérémonies rituelles pour entrer en contact avec les ancêtres. Voilà pourquoi, beaucoup plus tard, Bob Marley, qui considérait aussi le mouvement Rastafari et le reggae comme étant une religion, il disait toujours « no kaya, no musique ». Et « kaya », c'est un mot kikongo qui vient de l'ukaya et makaya. Et nous avons beaucoup de témoignages sur l'utilisation du cannabis dans le pays Congo pour rentrer en contact avec le monde des ancêtres. D'ailleurs, John Stewart, qui a écrit sur la dimension africaine de la religion en Jamaïque, a également fait des enquêtes de terrain dans la province du Congo central, la République démocratique du Congo, et elle témoigne avoir, elle déclare avoir été témoin oculaire de l'utilisation du cannabis pour rentrer en contact avec le monde des ancêtres. Même dans le livre de Alfred Dinuil, Pipe Book, ce dernier aussi témoigne l'utilisation du cannabis dans le pays Congo pour rentrer en contact avec les ancêtres. Dans certains groupes religieux, même au Congo-Brazzaville, chez les Manangama Congo, on utilise aussi le cannabis pour rentrer en contact avec les ancêtres. Et c'est aussi au Pinacle que va commencer la pratique des dreadlocks, qu'aujourd'hui on appelle les Rasta. Et l'historienne camerounaise Fongo Kini dit que les dreadlocks était également la coiffure de la prophétesse Congo Kimpavita, qui voulait libérer le royaume Congo au XVIIe siècle. Ses adeptes aussi avaient des rastas. Donc, les rastas en Jamaïque n'étaient qu'une survivance culturelle du Congo ancestral. On a donc tort de penser que les dreadlocks des rastas, c'est une imitation des papillotes juives.
Le rastafarisme n'a pas pour substrat le judaïsme. Le rastafarisme a comme substrat la tradition Congo. Parce que ce sont des pratiquants du Kumina qui ont généré le mouvement rastafari. Et ceci est prouvé par les documents historiques. Jusqu'à ce jour, on pratique le Kumina en Jamaïque. J'invite d'ailleurs ceux qui me suivent de pouvoir consulter le livre de Kenneth Bilby, écrit en collaboration avec un anthropologue de la République démocratique du Congo qu'on appelle Fukia Obunseki Lumanisa. Ce livre s'intitule « Kumina, a Congo-based tradition in the New World ». Ce livre a été publié aux éditions Asdoc, qui sont basées ici aux États-Unis d'Amérique. Et c'est toute la théorie Congo du Kumina se trouve dans ce livre. Et John Stewart, le livre de John Stewart également, contient beaucoup de renseignements sur la tradition Congo dans le Kumina. Le musicologue jamaïcain Michael Barnett, dans son livre qu'il a publié en 2012, qui s'intitule « Rasta in the New Millennium », ce livre a été préfacé par l'un des plus grands historiens qu'ait connu l'île de la Jamaïque. J'ai cité Rex Nettelfort, qui a d'ailleurs été le chancelier de l'Université des Indes occidentales, qui est la plus grande université de la Jamaïque. Dans ce livre, le musicologue Michael Barnett déclare que la plupart des chansons au Pinacle, donc la communauté des premiers Rasta, la plupart des chansons étaient en Kikongo. Et Michael Barnett nous donne même les titres de ces chansons-là. Il a cité Malembe, King Nzambi et Nkibalongo. D'ailleurs, le patois jamaïcain est constitué de 19% des mots Kikongo. Et ceci est attesté par le dictionnaire de l'anglais jamaïcain de Cassidy Frédéric Gomez et Page Robert Brockels, ainsi que par le dictionnaire du jamaïcain authentique de Reynold. Et quand on parcourt ce dictionnaire, on retrouve des mots comme Mungwa, on retrouve plusieurs mots Kikongo qui sont des mots du groupe linguistique Kikongo H10 de la classification du linguiste américain Malcolm Guthrie. Donc après le Pinacle, la première communauté des Rasta, où la musique était où le reggae a commencé, puisque le reggae ce n'est que l'instrument de communication de ces premiers Rasta là. Ils étaient en train de revendiquer le retour, ils étaient en train de revendiquer le retour vers l'Éthiopie, qui était le seul pays libre et non colonisé à l'époque. Donc ils voulaient partir. Bob Marley appelait même l'Éthiopie Zion. Et je pense que dans sa chanson Zion Train, on peut comprendre bien les objectifs des Rasta, ainsi que dans la chanson de Peter Tosh, 400 ans, où il déclare que la durée de l'esclavage a été trop longue. Nous devons partir dans une terre, nous devons repartir vers une terre libre, l'Éthiopie. Donc, cette musique, c'est au début, le reggae était une musique tambourinée. C'était la musique traditionnelle des Bakongo. Et après le Pinacle, la police jamaïcaine va détruire le Pinacle. Et les Rastas vont s'installer dans le quartier de Back Howell. Mais Back Howell sera rasé le 12 juillet 1966. Et une grande partie des Rastas vont s'installer à Trenchtown. Mais avant de s'installer à Trenchtown, vers les années 1950, il y a Count Osier, qui est un Jamaïcain descendant des esclaves à Chantilly du Ghana. Parce que la Jamaïque, le peuplement des esclaves africains en Jamaïque, c'était d'abord des esclaves à Chantilly du Ghana et les Baoulés de la Côte d'Ivoire qui ont commencé à peupler, qui avaient été utilisés par les Anglais pour la main-d'œuvre servile des plantations en Jamaïque. Et c'est à la fin de la traite négrière et pendant la période de l'abolition de l'esclavage que la majorité des bateaux que les Anglais capturaient au large du Royaume Congo étaient ramenés sur l'île de Sainte-Hélène et en Sierra Leone. Et de la Sierra Leone, ces Congolais étaient ramenés en Jamaïque. Donc le peuplement des Bakongo en Jamaïque, c'est dans les dernières décennies, dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc en 1950, Count Osier va aussi apporter quelque chose dans le mouvement Rastafari.
il va introduire les rythmes des tambours bourou. Les tambours bourou, c'est des tambours à chantier du Ghana. Et à côté de Count Osier, il y a eu aussi une secte. Une secte, les Rastas ont eu une secte. Bon, une secte, vous savez, dans une religion, la secte, c'est un groupe de personnes qui quittent une religion pour créer un mouvement un peu extrémiste. Et dans le rastafarisme, il y a une secte qu'on appelle Nyabingi. Or, le fondateur du Nyabingi, il s'appelle Watu Kongo. Et dans les travaux du folkloriste américain Anand Prahlad, il déclare que ce sont des pratiquants du Kumina qui ont créé aussi la secte Nyabingi. Puisque la plupart des titres dans cette secte-là, c'est Ma Kongo et Ras Kongo. Kongo est un grand titre dans cette, était un grand titre dans cette secte-là. Aussi, ils vont introduire un nouveau rythme. Et quand les Rastas s'installent à Trenchtown, c'est vraiment l'éclosion spectaculaire. C'est à ce moment-là, c'est à partir de Trenchtown que le reggae va avoir une audience internationale avec Bunny Wailer, Burning Spear, Peter Tosh et Bob Marley. Et ils vont aussi introduire les instruments de la musique occidentale, surtout le rocksteady. Mais c'est quand Bob Marley échappe à un assassinat à Kingston, Bob Marley, dans les années 70-71, il va s'installer à Londres. Et c'est là où vraiment Bob Marley va fusionner la musique ska, la musique rocksteady, la musique anglaise. Et même un peu le blues. Le reggae va passer de la musique tambourinée, de la musique traditionnelle des Bakongo. Le reggae va se dénaturer et va s'associer avec d'autres musiques occidentales. Et c'est le reggae d'aujourd'hui. Mais la mémoire du Congo sera très remarquable dans la musique de Bob Marley. Dans sa chanson, par exemple, Natty Dread, Bob Marley déclare « Dreadlock Congo Bongo, aïe ». Or, dans le dictionnaire Kikongo de Pierre Swartenbox, Bongo, c'est la famille. Donc, « Dreadlock Congo Bongo, aïe », dans Natty Dread de Bob Marley, il voulait tout simplement dire que sa coiffure, c'était une coiffure de la famille Bakongo. Et jusqu'à ce jour, les Congos de la Jamaïque, on les appelle les Congo Bongo. Dans la chanson de Bob Marley, Black Man Redemption, Bob Marley dit Woya Nati Congo. Et il est pour les anciennes générations, nous savons que après le décès de Bob Marley, Rita Marley était revenue avec une partie des cheveux de Bob Marley. Bob Marley avait demandé à sa femme de jeter ses locks dans le fleuve Congo. Et Rita Marley avait été accompagnée par le professeur scolastique Djandinga de l'université Marien Ngouabi, qui est aujourd'hui à la retraite. Et c'est cette dernière qui avait accompagné Rita Marley pour jeter les locks de Bob Marley dans le fleuve Congo. Mais je ne peux pas déclarer que Bob Marley était d'origine Bakongo parce que c'était un métis. Son père, c'était un Anglais. C'était un Anglais et sa maman était une descendante des esclaves africains, mais il n'y a pas un témoignage Bob Marley dans ses chansons, il parlait du Congo. Et celui qui a formé Bob Marley, son père spirituel s'appelait Mortimer Kumi Plano. Mortimer Plano, c'était un descendant des Bakongo de Cuba. Le père de Mortimer Plano, c'était un Congo de Cuba et sa maman était jamaïcaine. C'est Mortimer Plano qui a formé, qui a contribué à l'éducation spirituelle de Bob Marley. C'était un descendant des Bakongo. Et Mortimer Plano était le premier race à avoir rencontré Haïlé Selassie à Addis Abeba. Et Mortimer Plano était aussi le leader économique écuménique du rastafarisme. Mortimer Plano est aussi le père idéologique de Marcus Garvey. Mais les origines africaines de la maman de Bob Marley, il n'y a pas un document où vraiment on parle de ça. Il y a beaucoup de spéculations et en tant qu'historien, il y a une certaine rigueur. Je ne pourrais pas déclarer que le côté africain de Bob Marley était au Royaume Congo. Mais il était formé par un Bakongo et sa coiffure, le mouvement, la musique viennent de chez les Bakongo. Donc Bob Marley, dans les chansons de Bob Marley, la mémoire du Congo est restée très très vive. Et après même Bob Marley, plusieurs musiciens
jamaïcains dans leurs chansons ont parlé du Congo. C'est le cas du titre, par exemple, Roots Nati Congo de Johnny Clark, Dog Nati Congo de Sister Carol, le groupe de Congo avec l'album Heart of the Congo et la chanson Congoman. Sans oublier qu'il y a aussi des musiciens en Jamaïque qui se font toujours appeler Congo, qui ont toujours le nom Congo. Il s'agit de Nati Congo, Dawe Congo et Cédric Congo Mitton. Le reggae a gardé la cadence des églises Ngunza du Royaume Congo. Cette cadence est toujours observable dans les églises Ngunza modernes. Et en musicologie, on appelle ça le tendré. Dans le reggae, le tendré est resté à basse tempo. En fait, cette cadence des groupes Ngunza, c'est le mouvement qui tend à revenir vers le bas, à revenir un peu vers l'arrière. Et on remarque ce mouvement-là quand Bob Marley faisait les concerts et quand les Rasta le font. Et même chez les Ngunza jusqu'à aujourd'hui, là, on peut observer ce mouvement. Donc, scientifiquement parlant, les origines Bakongo ou les origines Congo du mouvement Rastafari et son instrument de communication, le reggae, c'est un fait réel, c'est un fait prouvé, c'est un fait historique. Le reggae, c'est le premier mouvement, le mouvement Rastafari, c'est le premier mouvement altermondialiste. Au début de la décennie 1930, des paysans jamaïcains d'origine Bakongo se sont levés pour demander un autre monde, un alter-monde. Et c'est le mouvement Rastafari, le premier mouvement alter-mondialiste. Le reggae, c'est la musique la plus militante du 20e siècle. Il y a beaucoup de prophéties dans le reggae. C'est la musique qui annonce la libération de l'Afrique. On a chanté le reggae pendant l'indépendance du Zimbabwe. Et le reggae, c'était la musique préférée des guérilleros au Nicaragua. Il y a des musiciens du reggae au Japon, aux Philippines, en Amérique latine. C'est le mixage du reggae qu'on appelle le dubbing qui a donné naissance au rap et au hip-hop à New York. C'est le reggae qui a généré la musique techno. Donc, cette année 2021, je remercie l'Institut français du Congo avec sa directrice Marie Odigé qui m'a demandé de faire cet exposé. Et vu qu'il n'y a presque pas de chercheurs en Afrique centrale qui ont établi le lien ou qui ont parlé des liens entre l'ancienne région du Royaume Congo et le mouvement Rastafari et Bob Marley. Et la nouvelle génération aussi, très peu savent que les locks de Bob Marley, on avait jeté ça dans le fleuve Congo. Et si le temps m'est permis, je pourrais, certainement dans une année ou dans deux ans, pouvoir publier cette étude intitulée « Les origines Bakongo du mouvement Rastafari et de sa musique, le reggae ». Je vous dis, j'ai dit et je vous remercie.